il y avait un script, il fallait dire certains mots, il fallait que ça dure plus de 3 minutes et il fallait que ce soit posté dans les 15 jours. Je suis désolée, je voulais pas cracher dans la soupe, mais la soupe elle est dégueulasse si tu veux. C'était un peu ça, donc je vais pas te dire que la soupe elle est bonne alors qu'elle est immonde, tu vois. Elle est pas à mon goût, du moins. Désabonne-toi, bon vent, et voilà, tranquille, tu vois. Franchement, je m'en tape royalement aux yeux. Donc, soit tu as envie de voir, tu fais tes propres recherches et effectivement, tu vas essayer de croiser les différentes sources d'informations, etc. Soit tu n'as pas envie de voir, effectivement, tu te mets Netflix et les Marseillais après ta journée de travail. Et voilà. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo blablatage. On va parler d'un petit peu de tout. J'ai juste envie de papoter. Donc installez-vous confortablement. Ça risque d'être assez long. Voilà, n'hésitez pas à couper la vidéo et à revenir dessus si vous n'avez pas le temps de la regarder en entier. Donc let's go. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je ne l'ai absolument pas préparée. Je n'y ai pas pensé. Je me suis dit allume ta caméra et blablate. Je vais me perdre, hein. Cette vidéo n'est absolument pas construite et va peut-être partir dans tous les sens, veuillez m'en excuser. J'ai trop de trucs en tête et en ce moment j'avoue que ma priorité c'est un petit peu l'actualité puisque j'aime savoir à quel sauce on va être mangé. Je sais pas si vous, le fait qu'on vous sucre vos libertés fondamentales, ça vous dérange pas. Moi, ça me dérange énormément. Ça me dérange en tant qu'être humain, en tant que française dans le pays des droits de l'homme, et surtout ça me dérange en tant que mère de famille. Voilà, je m'inquiète tout simplement pour l'avenir de ma fille, parce que elle concrètement à 15 ans, elle s'en inquiète pas du tout, donc s'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il s'inquiète, bah c'est bien moi. Alors, n'hésitez surtout pas à venir dans les commentaires, parce que en vrai, vos questions, vos commentaires, vos remarques sont super intéressantes et justement nous amènent à, comment dire, construire notre pensée. Donc je vous invite vraiment à commenter si vous estimez que vous avez quelque chose à dire et je serai très très intéressée par les gens qui étudient la psychologie, la psychiatrie, hein, et le voilà, l'aspect psychologique dans tout ça, parce que je pense que c'est franchement lié. Nous sommes en confinement depuis un mois, enfin, lorsque vous aurez regardé la vidéo, normalement, on a été déconfinés, on a été claquer nos thunes dans les magasins pour Noël. Enfin, je dis ça, pas pour moi, pour vous, parce que moi, j'ai pas de thunes, mais normalement, vous êtes déconfinés, on est déconfinés, j'ai repris le travail, etc. Bref, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 novembre 2020. Donc, cette année, depuis le mois de mars, on a vécu deux confinements et finalement, j'ai pas trouvé mieux que de faire des recherches à fond sur l'actualité et sur savoir de quoi on parle. Parce que, effectivement, quand on parle de médecine, je suis pas professionnelle, j'y connais pas grand chose. Quand on parle de politique, je suis pas professionnelle, j'y connais pas grand chose. Et franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai pris le temps de faire des recherches et croyez-moi, je passe mes journées à ça. C'est soit tu t'intéresses et tu t'informes et dans ces cas-là, tu vas creuser. Soit tu t'intéresses pas du tout, c'est pas une tare en soi. Tu survoles un peu le truc parce que, tout simplement, t'as pas envie de t'informer. Ça t'emmerde plus qu'autre chose et toi, tu préfères regarder ta petite série sur Netflix. Voilà. Bon, donc moi j'ai fait l'effet inverse, par curiosité certainement, je me suis informée et ce en profondeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je tombais sur une information officielle dans les médias, des médecins qui parlaient, etc., eh bien j'allais vérifier à la lettre, dans le détail, toutes ces informations et ça prend un temps de malade. Mon premier confinement a servi à ça. C'est pas que j'avais que ça à faire, mais presque. Hein. Deuxième confinement, rebelote, j'ai envie de te dire. On est assigné à résidence, hein, sous peine d'avoir une amende de 135 euros.
sous la fameuse vidéo où je remets en question la vidéo d'Enjoy Phoenix, j'ai reçu un commentaire qui m'a un petit peu fait sourire en vérité. Donc je vais essayer de le retrouver, s'il n'est pas effacé, parce que la fille a menacé de ne pas laisser ses commentaires. Ah, ça a été effacé. Bah alors ? Bah mince. Bref, la fille disait dans son commentaire sous ma vidéo: désolée, je ne connaissais pas ta chaîne, je savais pas que ta chaîne était une chaîne complotiste. À quelle heure, mon gars? À quelle heure? Enfin, faites défiler le fil d'actualité de ma chaîne, on parle pas complotisme, on parle shampoing, wesh. J'ai pas compris. Dans son commentaire, elle me traitait de complotiste et surtout, elle m'a menacé de se désabonner. Ça m'a fait sourire. Voilà, donc j'avais envie de parler de tout ça. Pour parler du sujet du complotisme, pourquoi aujourd'hui lorsqu'on pose une question, on est taxé de complotiste? Je comprends pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne gobe pas les yeux fermés ce qu'on nous dit et ce qu'on nous donne à manger, alors on devient d'un seul coup complotiste. Ce mot complotiste, ça ferme toute idée de débat, ça écrase la pensée et tout de suite c'est une étiquette qu'on nous a collée sur le front en mode de toute façon toi t'es complotiste, tout ce que tu vas dire c'est de la merde. Est-ce que le fait de poser des questions fait de moi une complotiste? Est-ce que le fait de vouloir m'informer un peu plus fait de moi une complotiste? Finalement aujourd'hui les gens qui posent des questions sont des complotistes. À partir du moment où ça m'atteint personnellement, ça atteint ma liberté personnelle, on va parler au nom de moi-même, hein. Et à partir du moment où ça atteint la liberté de mon entourage et de mon enfant, en l'occurrence, eh bien effectivement, je veux savoir de quoi on parle. À partir du moment où je veux savoir de quoi on parle et où je pose des questions, qu'est-ce qui fait de moi que je suis complotiste? Je comprends pas en fait. Il faut arrêter de dire des conneries à un moment donné. À partir du moment où t'es pas d'accord avec ce qu'on dit, eh bien, on te fout dans la case du complotisme. Pourquoi? Pour moi, l'argument « t'es un complotiste », c'est l'argument des gens qui n'ont pas d'argument en fait. La personne qui va me dire ça, si vous voulez, pour moi, je vais automatiquement lui mettre l'étiquette du débile qui n'a pas pris la peine d'aller chercher les informations et qui n'a pas pris la peine d'aller vérifier les sources et vérifier les informations. Si vous me pensez complotiste, eh bien libre à vous, honnêtement ça ne me touche pas plus que ça. Parce que je suis intimement convaincue hein, de mes recherches, je sais ce que j'ai fait pour avancer tous mes propos et je sais que toutes mes recherches ont été sourcées, elles sont vérifiées et vérifiables. Est-ce que reprendre les propos de sources officielles fait de moi une complotiste? Je sais pas, prenez le temps d'aller vérifier au moins. Bon. Toute censure est un aveu, on ne bâillonne que la bouche qui dit la vérité. Source, Pierre Gripari, juste baguisé. Bref, à partir du moment où une information est censurée, il faut se poser la question du pourquoi elle est censurée, pourquoi elle dérange, non? Enfin, je sais pas, pourquoi la censure? C'est intéressant de comprendre en fait pourquoi on bâillonne quelqu'un. Tout simplement parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Et la vérité, si elle est sue de tous, bah, ça devient compliqué pour celui qui ment, si vous voulez. Donc, 12h12, quelqu'un pense à moi. Heure miroir. Deuxième chose, lorsque mes abonnés me menacent de se désabonner, parce que je ne vais pas dans le bon sens selon elles. Ça me passe clairement au-dessus en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'avec 40 900, attendez, excusez-moi, je vais vérifier quand même que je dise pas de bêtises, parce qu'aujourd'hui tu dis un truc de travers. Aujourd'hui j'ai 40 787 abonnés, d'accord? Il faut savoir qu'avec 40 000 abonnés, on ne gagne pas sa vie sur YouTube. Je ne suis pas payée, rémunérée par YouTube. Je n'ai pas de carotte qui fait que
que je continue à faire mes vidéos sur YouTube. Si aujourd'hui je fais mes vidéos sur YouTube, c'est parce que je le veux, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que ça me fait kiffer, c'est parce que ça nourrit ma passion qui est assez légère en soi, mais c'est ma façon à moi de me divertir, c'est de parler beauté, cheveux, confiance en soi, beauté au naturel, etc. C'est ça qui me plaît en fait. Et je le fais de façon gratuite et volontaire et bénévole, et tout mon temps libre est consacré à ça en vérité. Donc aujourd'hui j'ai trop peu d'abonnés pour pouvoir en vivre, d'accord. Si vous vous désabonnez et vous êtes libre de le faire, eh bien ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que tout simplement ça ne va pas changer quoi que ce soit à ma vie demain, d'accord. Par contre, en parallèle, si Enjoy Phoenix, je prends elle pour exemple, mais en vérité je parle de toutes celles qui dont c'est le métier finalement. Si Enjoy Phoenix demain perd je sais pas 10% de ses abonnés, eh bien 10% de 3 millions sauf erreur de ma part, ça fait 300 000. C'est juste énorme, 300 000 ou 30 000. Vous avez compris que c'est juste considérable. Et elle, dont c'est le métier, eh bien, ça va tout simplement impacter sa rémunération, son salaire et donc son frigo, si vous voulez. Donc, le fait qu'elle puisse perdre des abonnés, c'est dérangeant, d'accord. Alors que moi, si j'en perds 10, 40 ou même 1000, ça changera rien dans mon quotidien et c'est pas YouTube qui remplit mon frigo. Donc désabonnez-vous si ça vous chante, je m'en tape. Donc ça me fait un petit peu sourire le « ouais, toi de toute façon t'es une complotiste, je me désabonne ». Eh bien libre à toi, désabonne-toi, bon vent. Et voilà, tranquille tu vois. Franchement, je m'en tape royalement. Je voulais quand même vous dire que, effectivement, quand j'ai découvert qu'on pouvait vivre de YouTube avec son contenu, j'ai souhaité le faire. C'était devenu un objectif pour moi. Clairement, j'aurais kiffé qu'on puisse me payer et me rémunérer pour faire ce que je faisais déjà et pour faire ce que j'aimais. Franchement, qui ne rêverait pas de faire ça ? Lorsque ma chaîne a commencé à monter en termes d'abonnés, j'ai commencé à avoir des propositions de partenariats, etc. Je me suis rendu compte que c'était la foire à tout. Hein. On m'a proposé de présenter des sex toys, quoi. Donc, non. J'ai découvert qu'on me faisait tout un tas de propositions par mail pour pouvoir présenter des produits. Et donc, d'un coup, je devenais un petit peu le porte-parole de ces marques. Donc, vous imaginez bien que lorsqu'on vous propose des sex toys ou des appareils de massage ou que sais-je, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Clairement, je ne vais pas perdre mon temps à parler d'objets qui ne m'intéressent pas juste pour les vendre à vous et juste pour me faire de la thune en fait. Ce qui est primordial sur ma chaîne aujourd'hui et ce depuis le début, c'est ma liberté. Plus précisément ma liberté d'expression et ma liberté de choisir à qui je souhaite faire de la pub et ma liberté de faire ce que je veux de ma chaîne en fait. C'est vraiment mon moteur et aujourd'hui, d'accord, si on me fait une proposition de partenariat pour présenter une marque ou co-caisse, je vais être extrêmement sélective pour le faire. C'est pourquoi aujourd'hui je n'ai toujours pas accepté de partenariat ou de sponsoring. Pourquoi je parlais de ça à la base ? Lorsque j'ai découvert qu'effectivement, finalement, en tant que youtubeur ou en tant que créatrice de contenu, j'étais amenée à pouvoir faire un petit peu tout et n'importe quoi pour me faire de la thune assez simplement. Par exemple, pour 3 photos Instagram, je crois que c'était 500 balles. Enfin, donc, c'est vraiment de l'argent facile. Et finalement, c'est là qu'on comprend comment les gens arrivent à faire des partenariats assez facilement et à vous proposer n'importe quoi finalement. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours refusé de faire ça. Je pourrais le faire, mais je le fais pas. Parce que je tiens à ma liberté de choix.
Voilà. Maintenant, si demain on me propose un partenariat avec une marque que j'aime, que j'utilise et que je kiffe et que je, dont je souhaiterais vous parler, effectivement, je ne vais absolument pas refuser, si vous voulez. C'est logique. Si demain on me propose un partenariat avec MAC Cosmétiques, je plonge. J'y vais les yeux fermés. Si demain on me propose un partenariat avec Forever 21, j'y vais aussi. Lorsque j'ai compris comment fonctionnait un petit peu le business model de YouTube, ça m'a déjà un petit peu freinée parce que d'un coup, je devenais un petit peu le porte-parole d'une marque et donc il fallait que ça aille dans le sens de la marque. Déjà, ça m'embêtait. À partir du moment où il y a une totale transparence sur le partenariat, que je dis ce que je veux, que je fais ce que je veux, que je poste quand je veux, etc. Effectivement, là, je peux être plus à même d'accepter ce genre de partenariat. Or, ça ne s'est jamais produit. Tous les partenariats qu'on m'a proposés, il y avait un script, il fallait dire certains mots, il fallait que ça dure plus de 3 minutes et il fallait que ce soit posté dans les 15 jours. Déjà là, ça me dérange et c'est pourquoi j'ai toujours refusé de le faire. Deuxième chose, lorsque j'ai commencé à monter un petit peu plus sur YouTube, j'ai commencé à être invitée un petit peu à droite, à gauche et notamment via BeautyTube. Je ne sais pas si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne, mais j'avais été, à l'époque, c'était il y a 4-5 ans déjà, hein, j'avais été invitée par L'Oréal et YouTube. Ils avaient fait un partenariat qu'ils avaient appelé BeautyTube et il y avait une dizaine de YouTubeurs qui avaient été sélectionnés pour faire une sorte de télé-réalité pour L'Oréal. Donc moi, lorsqu'on m'a contactée, j'ai été super contente, hyper honorée. Tout de suite, on s'intéressait à ce que je disais, à ce que je faisais. Et donc, j'étais trop contente de pouvoir participer à ce projet. Donc j'y étais de bonne volonté et de façon assez naïve, finalement. C'était franchement une superbe expérience, mais j'ai aussi vu l'envers du décor. Lorsque j'ai eu cette expérience, je l'ai super mal vécu et j'ai d'ailleurs arrêté le projet dans la foulée. Je n'ai pas souhaité continuer ce projet BeautyTube parce que je me suis tout simplement rendu compte que je n'étais pas à ma place. Pourquoi? Parce que, un, je n'aime pas être dans la lumière et face à la caméra. J'ai détesté cette position, qu'il fallait suivre un scénario voilà, il fallait faire la belle. Comment faire pour être une post-bad? Une post-bad, c'est quoi une post-bad? Répondez-moi dans les commentaires. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant d'être au niveau technique plutôt que être dans la lumière, à faire la belle et à mettre du rouge à lèvres, vous voyez? J'encourage pas les gens à devenir une post-bad et je m'en tape d'être une post-bad, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais vraiment pas la bonne position, donc ça m'a dérangée. Et puis tout simplement, je me suis rendu compte qu'en fait, comment vous dire, c'était une sorte de manipulation déguisée. Voilà, on m'avait appelé parce que mon contenu plaisait, etc. Attendez, je vais, excusez-moi, baisser la lumière, voilà. J'y vais de bonne volonté et de façon naïve et sur place, face à la caméra, au moment où ils avaient appuyé sur enregistrer, là on me demandait de devenir quelqu'un que je n'étais pas. Vous comprenez bien que ça peut intéresser 9 personnes sur 10, mais moi je suis la dixième et j'ai détesté être pris à mon propre jeu comme ça. J'étais pas du tout en phase avec ça et je n'ai pas souhaité continuer ce projet. Je venais tout simplement de fermer la porte à L'Oréal. Bon, quand on ferme la porte à L'Oréal, on ferme la porte à beaucoup d'opportunités et à de belles sommes d'argent, entre guillemets. On m'a reproché hein, d'avoir craché dans la soupe. Clairement, on m'a dit, mais meuf, on te propose des opportunités, t'en auras pas 15 dans ta vie. Qu'est-ce que tu te permets de cracher dans la soupe, quoi? Ben, je suis désolée, je voulais pas cracher dans la soupe, mais la soupe, elle est dégueulasse, si tu veux. C'était
un peu ça. Donc je vais pas te dire que la soupe elle est bonne alors qu'elle est immonde, tu vois. Elle est pas à mon goût, du moins. Finalement, le milieu de YouTube tout beau tout rose, des bisounours, que tu fais ce que t'aimes et t'es payé pour faire ce que t'aimes et c'est génial et tout le monde s'y retrouve, les abonnés, les créateurs et tout, bah en vrai c'était un petit peu illusoire parce que derrière, dans les coulisses, hein, c'est une histoire de gros sous et c'est encore une fois une histoire d'influence d'opinion, d'influence de pouvoir d'achat. Je vends aux marques le fait d'avoir 40 000 abonnés, 40 000 clients potentiels, 40 000 personnes qui me font confiance si je dis que le chouchou il est génial et il est magique, tu vois. Dans le YouTube game, dans la YouTube money, il y a trois aspects. Il y a moi qui fais ça par passion, il y a vous qui me regardez avec confiance, on va dire, et il y a la marque qui est un petit peu cachée, hein. Mais il y a cet acteur un petit peu occulte comme ça entre vous et moi. Eux, ce qui les intéresse, c'est pas mes beaux yeux et c'est pas vos beaux yeux. Ce qui les intéresse, eux, et c'est le propre d'une entreprise, c'est de vendre leurs produits à travers moi. Ce qui les intéresse, encore une fois, c'est les 40 000 clients potentiels. C'est une masse de gens très intéressants pour eux. Vous comprenez bien que si je parle au nom de 40 000 abonnés, Enjoy Phoenix, elle parle au nom de 8 270 000. Je sais plus. Donc, vous voyez un petit peu les enjeux, si vous voulez. Donc, voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. Je suis restée un petit peu moi-même, tout en étant consciente que ça n'intéressait pas plus que ça et ça n'intéresserait pas les marques. Sachez simplement que c'est volontaire de ma part. Je ne souhaite pas changer mon contenu pour l'argent. Ce n'est pas ma première source de motivation sur YouTube. Un autre point que je voulais aborder, j'ai eu énormément de remises en question ces derniers temps parce que j'ai traversé une sale période, on va dire ça comme ça, et j'ai remis un petit peu toute ma vie en question et surtout toute ma façon de consommer en question. J'ai commencé à questionner mes cosmétiques, à savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce que je donnais à ma fille, pourquoi je consommais ça et pourquoi je consommais comme ça, ce qui m'a amené à finalement aujourd'hui à vouloir déconsommer. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui la déconsommation sur une chaîne qui traitait de mode, de haul, d'achat compulsif et de beauté et de futilité, c'est totalement contradictoire. Et aujourd'hui, si vous voulez, j'ai plus vraiment le moteur à vous partager un contenu léger et futile parce que j'ai d'autres priorités et parce qu'il y a des choses qui me paraissent capitales à savoir et à partager aujourd'hui dans ma vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement c'est lié à l'actualité. Je veux dire, il se passe tellement des choses graves sous nos yeux au niveau de l'actualité qu'aujourd'hui mon intérêt se porte plus sur comment vont se comporter mes cheveux à la sortie de chez moi. Mon intérêt se porte beaucoup plus sur est-ce que aujourd'hui on va pas nous enfermer parce que on refuse tout simplement d'être vacciné, par exemple. C'est des questions tellement essentielles à la vie de nous tous en tant qu'être humain sur Terre et en tant qu'être humain libre, que tout ce que je pouvais aborder auparavant me paraît assez futile aujourd'hui. C'est pas pour autant que je vais arrêter de parler beauté, si vous voulez, parce que c'est un truc qui, voilà, c'est mon petit truc léger, c'est mon divertissement à moi. Donc je dis pas que je vais arrêter de parler beauté, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est plus vraiment mon principal centre d'intérêt.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité, sur ce qui se passe réellement, de façon vérifiée et vérifiable, je vous partage des vidéos. C'est une playlist que j'ai nommée Covid-19. Et lorsque j'estime qu'une vidéo est pertinente à la compréhension de ce qui se passe pour nous, eh bien, je vous la partage dans cette playlist. Je vous invite à la parcourir. Libre à vous, vous n'êtes pas obligé. Et si vous souhaitez parler shampoing toute votre vie, j'ai tout un tas de vidéos qui concernent les cheveux et la beauté sur ma chaîne. Donc, moi, ça fait 9 mois. Hein, depuis la première vague, que j'essaye de savoir de quoi on parle et que je fais des recherches. Je suis tombée sur tout un tas de choses et croyez-moi, c'est pas joyeux. La sauce à laquelle on va être mangé, franchement, la sauce, elle est bien pourrie et bien dégueulasse. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu découvres une information qui t'amène à une autre information, qui t'amène à une autre information, qui t'amène à une autre information, tu peux plus revenir en arrière en fait. Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir la tête dans le sable et ne pas voir et ne pas se soucier? Je sais pas, cette question reste encore en suspens. Est-ce que je regrette d'avoir découvert tout ça? Non, certainement pas, parce que je sais désormais à quelle sauce on va être mangé, nous, petites gens. La naïveté et l'innocence, c'est quand même un gage de bonheur et d'insouciance, et ça reste très beau en vérité. Est-ce que en tant qu'adulte c'est bien de rester insouciant, ou plutôt est-ce que il n'est pas de notre devoir en tant qu'adulte d'être conscient de certaines choses afin de protéger les prochaines générations et notamment les enfants? Voilà, quel est notre rôle à nous en tant qu'adultes dans la protection de nos enfants? Est-ce que c'est de les informer ou est-ce que c'est de les désinformer? Est-ce que c'est de les laisser dans l'ignorance et l'insouciance, ou est-ce que c'est de leur ouvrir les yeux et leur dire que le Père Noël n'existe pas? Est-ce que notre devoir en tant que parents, c'est de les faire rêver et d'avoir des étoiles dans leurs yeux, ou est-ce que c'est de les réveiller et de leur dire la vérité, le Père Noël n'existe pas? J'ai pas la réponse à cette question, honnêtement. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et je vais continuer sur une deuxième partie de vidéo où je vais vous raconter comment je me suis éveillée. Je vous sourcerai tout ça, je vous mettrai des vidéos en lien dans la barre d'infos et toujours dans la playlist Covid si vous souhaitez. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Je trouve ça plutôt cool de pouvoir discuter un petit peu d'autres sujets et de sujets comme ça, assez d'actu. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les coms, vous êtes toujours libre de le faire. Vous êtes libre également de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et vous êtes libre également de vous désabonner à ma chaîne si mes mots ne résonnent pas dans votre tête, dans votre vie. Et voilà. On peut parfaitement ne pas être d'accord et pouvoir en débattre dans les commentaires de façon respectueuse. Par contre, je tiens quand même à préciser qu'un commentaire, c'est que de l'écrit, il n'y a pas l'intonation et ça reste que de l'interprétation. Je me rends compte parfois que quand je réponds à certains, ça peut être mal pris, mal interprété, mal tourné, alors que quand on me connaît, on sait que voilà, je prends les choses un petit peu sur l'humour et l'autodérision, donc faut pas mal prendre ce que je raconte, ce n'est pas du tout mon intention. Sur ce YouTube, je vais en rester là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et rejoignez-moi sur Odyssée pour la liberté. Bisous !